Bonjour, bienvenue à cette journée départementale de la lecture publique autour des bibliothèques durables. Merci d'être venues aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette journée qui va être composée en plusieurs temps. Cet après-midi, différentes propositions vous ont été faites et vous vous êtes inscrites pour les suivre. Elles auront lieu dans le hall et à l'extérieur du bâtiment, puisque nous profitons du beau temps pour cela, pour parler des bibliothèques durables. Et puis ce matin, nous allons nous intéresser à la décarbonation de la culture avec un rapport du Shift Project, puis une table ronde avec des expériences de bibliothèques qui se sont demandé ce qu'est être une bibliothèque durable, qui ont mis des actions en place ou qui sont dans une réflexion, notamment sur la vie des livres et sur la fameuse question de la plastification ou non des couvertures. C'est l'une des nombreuses questions que nous verrons ensemble. Mais auparavant, voilà, je vous propose d'accueillir Jean-Michel Le Guénec pour ouvrir cette journée. Vous êtes conseiller départemental, délégué aux relations institutionnelles, à la mémoire et aux relations avec le monde combattant et à l'événementiel. Merci, bonjour. Alors, en l'occurrence, c'est pas moi que vous accueillez, c'est nous qui vous accueillons. Donc je suis ravi de remplacer ce matin le président Jean-Luc Chenu qui ne pouvait être parmi nous pour vous dire d'abord que nous sommes tout à fait heureux de vous retrouver dans cette configuration en présentiel. Bon, malheureusement, je vois que les masques réapparaissent. J'espère que nous pourrons nous retrouver dans cette formule très prochainement, parce que je crois que nous avons pas mal de travaux à envisager ensemble à l'avenir. Je crois que ça fait 2 ans que vous n'avez pas été réunis dans cette configuration, donc nous sommes tout à fait ravis de pouvoir le faire aujourd'hui pour continuer le travail que vous avez amorcé depuis maintenant, je crois, 2018, hein, parce que entre le contexte sanitaire, le contexte aussi électoral, le changement de mandature, etc., font que nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver dans cette configuration jusqu'à maintenant. Effectivement, toutes les politiques publiques sont concernées par le contexte qui s'impose désormais à nous, hein, et donc la sobriété, les problématiques climatiques, environnementales doivent transcender toutes les politiques publiques et la lecture publique en fait bien évidemment partie. Donc vos travaux sont attendus, sont importants. Ils s'inscrivent évidemment dans cette logique des transitions que nous portons au niveau des conseillers, enfin du conseil départemental. Donc l'analyse des bonnes pratiques, les échanges, tout ça est important. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée de travail là-dessus. Mais auparavant, je voudrais quand même vous remercier pour le travail que vous avez toutes et tous accompli pendant ces derniers mois. Je ne vais pas revenir sur la polémique de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas, mais en l'occurrence, évidemment, la lecture publique est déterminante pour le lien social, pour l'accès à la connaissance, l'accès à l'imaginaire. Donc merci de votre travail, parce que c'est utile tous les jours, mais ça l'est encore plus dans un contexte comme celui que nous venons de traverser. Donc merci pour cela, merci aussi aux collègues du département du réseau des médiathèques qui travaillent à votre service. Donc on aura l'occasion à l'avenir aussi de se retrouver pour envisager le prochain schéma départemental de la lecture publique, puisque, comme vous le savez, on est dans une période de transition entre celui qui s'est achevé théoriquement en 2021, je crois, c'est cela, et qu'on a prolongé en 2022, mais il faut reprendre les travaux pour la suite. Donc nous aurons l'occasion dans les prochains moi de nous retrouver dans cette configuration, je l'espère, si ce fichu virus nous le permet. Voilà. Pardon. Comme vous l'avez dit, je suis en charge de la mémoire et du monde combattant. Donc dans ce cadre, je voudrais vous signaler que nous sommes donc en 2022, ça ne vous a pas échappé, donc ça fait 60 ans que le conflit franco-algérien s'est achevé. Donc dans ce contexte, nous avons initié un programme tout au long de l'année qui a commencé le 18 mars dernier sous la forme d'une conférence de presse lors de laquelle nous avons eu l'occasion donc de présenter aux journalistes en présence de l'ONAC
l'Office national des anciens combattants et les associations d'anciens combattants, le guide des sources sur la guerre d'Algérie qui a été mis en place par les archives départementales. Ce guide des sources vous est accessible, bien évidemment. Et nous avons lancé une collecte de dons privés, d'archives privées, sur la thématique de la fin de la guerre d'Algérie, afin de compléter ce guide des sources qui aujourd'hui est essentiellement constitué d'archives publiques. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir, avec des archives privées, croiser les sources et faciliter le travail de recherche et de connaissance sur cette période. En plus de ça, dans cette même salle, le 19 juin dernier, a eu lieu une journée de formation pour les enseignants d'histoire. Et à la rentrée, nous avons un cycle de programmation documentaire et de conférences qui se déroulera tous les deuxièmes mardis de chaque mois, octobre, novembre, décembre, autour donc de cette problématique avec différents regards. Et l'ensemble de ce programme s'intitule « L'Algérie, 60 ans après, enfin si on en parlait ». Je vous le signale parce que ça peut être intéressant aussi que dans vos établissements respectifs, vous puissiez être le relais, peut-être mettre en avant, comment dirais-je, vos propres ressources et vos propres fonds documentaires sur cette période, parce que malheureusement, chacun est un peu resté dans son couloir de mémoire, et là, l'objectif, c'est bien évidemment que chacun puisse échanger avec d'autres autour de cette période dont beaucoup ont parlé à titre individuel, mais peu ont parlé collectivement, et surtout, malheureusement, nous n'avons pas forcément réussi à sortir des couloirs de mémoire et de faire en sorte que chacun puisse être en capacité d'écouter le point de vue de l'autre. Donc c'est ça l'objectif. Donc c'est une thématique qui peut aussi vous concerner dans vos établissements. Donc je souhaitais vous en parler ce matin. Mais je ne vais pas être plus long. Donc bonne séance de travail. Merci encore pour votre action au quotidien. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci Jean-Michel Le Guenec.